De retour de la ville de Kitona dans le Bas-Congo après une formation qui avait pour objectif de développer les capacités du personnel médical congolais ainsi que de renforcer les relations entre Américains et Congolais, c'est ce jeudi face à la presse que les militaires américains ont fait la restitution de leur séjour dans la province. Reportage Fezamika. Satisfait, des militaires américains ont fait la restitution de leur séjour à Kitona dans le Bas-Congo. Professionnels médicaux de l'armée américaine et congolaise ont du 4 au 12 juin dernier participé à une formation dénommée MedRets. Objectif, développer les capacités du personnel médical congolais ainsi que les relations entre Américains et Congolais. L'exercice a été un grand succès. Le médecin militaire est extrêmement important pour US AFRICOM et aussi pour notre partenaire ici en République démocratique du Congo. C'est un sujet sur lequel nous apprenons beaucoup, autant que vos militaires apprennent beaucoup de notre part. Les militaires congolais n'étaient pas les seuls bénéficiaires de cette formation. Des soins gratuits ont été également administrés à la population. Nous avons pu suivre plus de 300 patients et qui présentaient bien sûr des signes de maladies infectieuses. Et grâce à l'ouverture qu'ils ont fait montre à notre égard, mes collègues ici, l'un d'eux a pu aider à mettre au monde un enfant et l'autre a pu participer à une opération chirurgicale. Il faut dire que plusieurs actions sont menées par les États-Unis par les billets d'AFRICOM dans le cadre de la réforme de l'armée congolaise.